Bonjour, Nicolas Dumont, conservateur du Mémorial Pégasus à Ranville. Donc voici le fameux Pegasus Bridge. Alors ça c'est le vrai de vrai. Il a été construit à l'origine entre 1933 et 1935 sur le canal à l'emplacement du pont actuel. C'est celui-ci qui a été allongé en 1964. Vous verrez tout au fond hein, la partie rajoutée qui est soudée, la construction d'époque étant rivetée. Et pour finir, il a été démonté en 1993, en novembre 93. Il a séjourné pendant 7 ans dans un champ au fond de la zone industrielle et il a été ramené ici en février 2000. Alors, faut savoir que c'est le premier objectif du débarquement. Le pont était important parce que dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, on avait décidé de larguer une division aéroportée britannique, la 6e, à l'est, pour sécuriser tout le flanc est du débarquement. Sauf qu'on parle de moyens légers, parachutistes, planeurs, et il fallait pouvoir les renforcer rapidement par des troupes débarquées sur Sword. Et le problème, c'est qu'entre Sword Beach et le secteur aéroporté, on a deux obstacles naturels, le canal, la rivière Horn, et en 1944, à l'époque, eh bien, il n'y avait qu'une seule route entre Caen et la mer pour franchir les deux cours d'eau. Un pont sur le canal, le fameux Pegasus, un second pont, Horsa Bridge, sur la rivière Orne à Ranville. Et donc la première mission consistait à s'emparer des deux ponts le plus tôt possible et ensuite à les garder intacts jusqu'à l'arrivée des renforts venant de Sword. Voilà l'importance stratégique du pont. Pour y parvenir, on envoie une sorte de commando des soldats de l'infanterie aérotransportés. 90 hommes dans 3 planeurs Orsa pour chaque pont. Les planeurs donc vont se poser dans le champ qui est juste à côté du pont. Le premier termine à 47 mètres du pont et Pegasus est pris en moins de 10 minutes. Bilan global, atterrissage des planeurs et prise du pont, 2 tués, 14 blessés. Le deuxième pont, il est pris en moins de 5 minutes sans victime et donc à 0h30, voilà, les deux ponts sont sous contrôle et ça c'est bien la première mission accomplie du débarquement. Tout secteur confondu. Alors une précision par rapport aux horaires, 0h30 heure alliée, ce qui signifie 23h30 le 5 juin au soir, heure française ou heure allemande, heure officielle, ou alors 22h30 ancienne heure française. Voilà, il y a un décalage de 2 heures en fait entre si on prend l'heure civile, l'ancienne heure française et l'heure militaire alliée.